Bonjour, ceci est une nouvelle série qui s'appelle « Bienvenue dans la vraie vie ». En fait, je suis un groupe de développement magnifique, de développement personnel magnifique et gratuit en plus, et qui s'appelle « La vie ». Bien entendu, pour que ce groupe puisse se passer, il faut qu'il y ait moi, il faut que je vive des choses, il faut qu'il y ait quand même une partie de moi qui soit en métaposition et qui puisse après voir un peu ce qui s'est passé. Sinon, ça ne nous amène pas très loin. Mon premier enseignement, eh bien, en fait, c'est les poules de mon voisin qui me l'ont donné. Mon voisin a des poules, il a aussi un coq qui se rappelle à mon bon souvenir chaque matin vers 5h30. Et l'autre jour, j'observais ces poules. Une poule mange. Pour qu'elle mange, elle se penche pour manger. Regardez, une poule, c'est évident. Comme elle se penche, elle lève le croupion. Passe un coq. Ce coq voit ce croupion, je ne suis pas dans la tête d'un coq, mais je peux imaginer, je dis « oh oh, croupion, machin », il saute la poule. Ça dure à peu près 12 secondes, mais ceci n'est pas une réflexion sur les performances du coq. Et je reconnais, la poule s'arrête de manger, se relève, 12 secondes, le coq a fini, et c'est là que ça devient intéressant. La poule se secoue, peu comme les poules se secouent, et elle recommence à manger. Cette poule, elle a eu une expérience. Elle n'en a franchement pas fait un apprentissage. Elle a recommencé à bouffer. Vous me direz, c'est rigolo pour une poule, mais c'est intéressant de voir combien parmi nous passent leur existence, un peu comme la poule. Il leur arrive des expériences, ils les vivent sur le moment même, l'expérience est finie, on se secoue un peu les plumes, et puis on recommence à vivre. Et il y aura bien un jour une autre expérience. Parce que tant qu'on vit, et d'ailleurs peut-être même avant qu'on vive et après qu'on a vécu, ça c'est un autre débat, mais on en vit des expériences. Mais tout le monde n'en fait pas un apprentissage. Et c'est là où je me suis dit, ma fille, est-ce que tu as envie dans la vie d'être une poule ou d'être un humain apprenant? Et franchement, j'ai choisi le 2. Vous, c'est à vous maintenant.